Dimanche soir à la télé, on mate les tontons flingueurs et Sixième Sens. Les tontons flingueurs de Georges Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier, France 2, 20h55, un monument du cinéma populaire français que cette parodie de film noir signé Georges Lautner. Et ce grâce à une belle brochette d'acteurs Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre et moins dont la franche camaraderie transparaît brillamment à l'écran. Mais surtout grâce au dialogue fleuri de Michel Audiard qui, mis en bouche par nos interprètes à Gouaï, donne lieu à certaines scènes devenues mythiques comme celle de la beuverie en cuisine ou celle de la confrontation Ventura Blier à coup de bourre pif jubilatoire. Autant vous dire, c'est du brutal Guillaume Martin. Sixième Sens de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, Allez Joel Osme, Sifi, 20h55, pour ceux qui auraient la chance de ne pas connaître la chute, foncez. Sixième Sens fait en effet partie de ces films possédant un twist hallucinant qu'on n'avait vraiment pas vu venir. La mise en scène de M. Night Shyamalan est au service de son scénario parfait, le tout enveloppé dans la somptueuse photographie signée Tak Fujimoto et emmené par l'interprétation tout en sobriété de Bruce Willis. Sans oublier quelques moments d'épouvante à vous glacer le sang. Laurent Schenk. Paul de Greg Mottola avec Simon Pegg, Nick Frost, Sister, 21h, Paul est une comédie rondement menée avec références science-fiction à foison, dialogue hilarant, forcément. Puisque signé Pegg et Frost, et alien plutôt bien fichu, doublé par le trublion cétrogène, dont l'impertinence colle parfaitement au personnage. Certes il manque un je ne sais quoi pour faire de cette comédie au code bien trop américain, peut-être un Edgar Wright derrière la caméra, une réussite totale. On retiendra tout de même une beau rock plutôt cool, Electric Light Orchestra, TB52S, des seconds rôles formés par l'école SNL, Bilade, Kristen Wiig, et une méchante qui ravira un paquet de geek. Caroline Langlois. Permis de parler. Et sinon, parmi tous les films qui passent ce soir, quel est votre favori? Qu'allez-vous regarder ce dimanche 07 janvier? Pour retrouver l'ensemble des programmes, accédez directement à la grille en cliquant ici.